Yo les gamers, j'espère que vous allez bien. Ah là là, week-end chargé, week-end anniversaire. D'ailleurs, un gros merci à tous ceux qui me l'ont souhaité mon anniversaire sur YouTube ou sur Facebook. Un gros merci à vous. Un cap a été franchi, un âge certain a été atteint ou un certain âge. Bref, on essaye de se remettre de toutes ces émotions. Et un week-end chargé qui fait que les vidéos YouTube, j'ai pas pu en tourner du tout du week-end. Et je me retrouve à vous faire cette vidéo après une journée de travail. J'ai trouvé un petit peu de temps. J'avais envie de tourner une nouvelle vidéo après plus d'une semaine de pause. Donc on va essayer de se remettre en ordre de bataille. Et j'ai décidé d'innover un petit peu sur la chaîne en abordant une nouvelle thématique. On va quitter un petit peu les tests et les reviews habituels pour s'attaquer à un aspect plus collection. Je sais que certains d'entre vous aiment bien cet aspect collection. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un thème, les concessions d'un collectionneur. On a souvent parlé dans les vidéos TOC notamment, de tous ces TOC qu'on a en tant que collectionneur. On aime bien les versions FH, les versions full français, les versions complètes avec la notice évidemment, même si on ne la lira jamais. Les versions en état mine, tous ces jeux en boîte carton de Nintendo, NES, SNES, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, toutes ces boîtes qui sont souvent abîmées avec les années, on aime bien les avoir en état mint, en état complet dans notre collection avec du full français parce qu'on est bien bien chauvin. Malheureusement, comme vous le savez, les prix du rétro gaming ont explosé depuis une bonne grosse dizaine d'années, sur certains supports notamment, et sur certaines licences en particulier, ce qui fait que pour un collectionneur comme moi aujourd'hui, il y a certains titres qui manquent à ma collection et malheureusement les prix ont explosé. Je pense notamment à tout ce qui est Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance. Certains titres, certains hits qu'on aimerait faire sont trop chers aujourd'hui. Ils dépassent les 200, les 300 euros. Et personnellement, j'ai jamais eu envie de mettre 300 euros dans un jeu vidéo. Même s'il est bon, pour moi, pour mon budget, c'est trop cher. Alors qu'est-ce qu'il y a comme solution après? On peut se tourner vers l'émulation. D'ailleurs, j'ai fait comme pas mal de jeux en émulation, c'est sympa, c'est gratuit, c'est plutôt facile à configurer, et puis on passe un bon moment. Sauf qu'en tant que collectionneur, le compte n'y est pas forcément, pas complètement en tout cas. L'émulation c'est sympa, mais personnellement, comme vous, comme beaucoup d'entre vous je suppose, on aime bien avoir notre console, notre manette, la cartouche d'origine, et le fait d'insérer la cartouche dans la console pour y jouer dans les conditions d'époque, on est un petit peu zinzin. C'est la même chose, mais il y a cet aspect physique, relation à l'objet, qui est important pour nous. Donc quand on se dit que l'émulation c'est sympa, mais on a quand même envie de posséder certains jeux qui s'en sont envolés, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de faire des concessions. C'est le thème de la vidéo aujourd'hui. Je vais aborder ce thème des concessions sur un support particulier. On va commencer ce premier épisode. On verra s'il y en a d'autres par la suite. Ça dépend si vous aimez ou pas celle-ci. On va aborder le support de la Super Nintendo. Beaucoup, beaucoup de hits sur cette console, mais malheureusement, des prix qui sont devenus inaccessibles. Quelles concessions j'ai dû faire pour acquérir certains titres et les trouver à prix raisonnable. Je vous dis tout après le générique. Indiqué en introduction, aujourd'hui on va parler des concessions que j'ai dû faire sur trois jeux Super Nintendo. Je vous ai fait une petite sélection de trois titres sur lesquels j'ai dû un peu revoir à la baisse mes standards de collectionneur. Le premier de la liste, ça va être Prince of Persia, le premier sur Super Nintendo. Un jeu sur lequel j'ai beaucoup beaucoup d'affect puisque j'y avais joué à l'époque au 1 et au 2 également sur PC. Et je me rappelle que c'est un de mes tout premiers jeux. Je me rappelle avoir inséré la disquette, avoir lancé le jeu, et là j'avais été subjugué par les musiques, cette petite ambiance Moyen-Orient, c'était vraiment super impressionnant pour l'époque, ça m'a complètement retourné, et puis après le jeu était bon dans son gameplay, il y avait cette animation du personnage qui était tout simplement ouf pour l'époque, idem avec le 2 sur lequel j'ai beaucoup beaucoup joué, et quand on veut Prince of Persia en physique, donc exit le PC, et qu'on veut pouvoir y jouer plus de 30 ans après sa sortie, je me suis rabattu sur cette version Super Nintendo qui est la meilleure version console de Prince of Persia. Et pour acquérir ce titre à pas trop cher, j'ai dû faire quelques concessions. On voit tout ça en close-up. On passe en vue close-up. Alors avant de regarder en détail cet exemplaire de Prince of Persia,
Ce que j'ai pas dit auparavant, c'est que pour moi, un jeu Super Nintendo, si possible, il doit être complet avec sa boîte et sa notice. Surtout la boîte doit être en état correct, hein, je cherche pas du mint, mais un état satisfaisant, pas trop abîmé, évidemment. Et puis au niveau des versions, c'est un petit peu plus secondaire, mais si possible, j'ai cherché du FAH, du FRA ou du EUR avec du français au dos. Et si je trouve pas dans ces versions-là, je vais me rabattre sur du UKV, voire de l'US. Alors, Prince of Persia Super Nintendo, mon exemplaire, je l'ai acheté en 2021 sur eBay au prix de 58€, frais de port inclus. Comme vous pouvez le voir, c'est une version FAH. Qu'est-ce que j'ai dû faire comme concession pour avoir ce jeu à pas trop cher? Ça se voit assez rapidement. J'ai été assez peu regardant sur l'état de la boîte. Hein. On voit que c'est pas mal usé avec des pliures, quelques petites déchirures dans les coins. On n'est vraiment pas sur un jeu en état mint. Mais franchement, sinon c'était plutôt du... Aujourd'hui c'est un jeu qui vaut au bas mot 80€, je l'ai vu en version italienne. Mais on était plus dans les 100€ en FAH déjà en 2021. Donc là vous le voyez, c'est encore usé. Sur toutes les tranches en fait. Mais la boîte est quand même là. Au dos on voit que c'est une version FAH, donc avec le français. Et donc sur ce jeu, j'ai vraiment dû faire des concessions sur l'état. Là il y a encore une déchirure. Là, pareil, il y a des pliures dans tous les sens. Le jeu est usé, mais personnellement, je préfère payer 58€ que 80, voire 100 pour simplement un carton qui serait un peu en meilleur état. Et encore, aujourd'hui, ça a dû encore augmenter. Hein. 58€ en 2021, je pense qu'on est plus, on a dépassé les 100€ en 2023. Donc après, la notice est en état nickel, donc il y a même un plastique fourni avec, FAH, et puis la cartouche idem. C'est du très bon état, la cale, je ne sais pas si elle est d'origine, mais en tout cas, aucune usure. Donc c'est vraiment la concession sur la boîte. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, cet état, ils ne l'auraient pas accepté. Mais personnellement, je préfère quand même avoir un jeu pas cher, quitte à avoir une boîte un petit peu déglinguée. Et puis au moins, c'est un jeu qui a servi et auquel j'ai envie vraiment de jouer encore aujourd'hui. C'est pas juste pour la collection, c'est une pièce de collection, mais c'est un jeu que j'ai envie de faire. Donc les pliures, bah tant pis. Au moins, j'ai eu le jeu à prix raisonnable. Next. Le deuxième jeu de cette section, j'ai pas d'affect particulier, c'est plus un petit jeu, mais là encore, j'ai dû faire un petit peu de concession pour l'acquérir. C'est Pilotwings, un jeu de pilotage d'avion sur Super Nintendo. Un petit jeu sans trop de prétention, mais j'avais la curiosité de l'acquérir et j'avais envie de pouvoir y jouer sur ma console SNES. On voit tout ça en close-up. Venez voir quels défauts possède cet exemplaire. Alors, deuxième jeu de cette liste, c'est Pilotwings. Donc lui, c'est un jeu qui coûte vraiment pas très très cher. Je l'ai acheté, ce Pilotwings, il y a vraiment pas longtemps, sur Vinted, au prix de 22,45€, donc un prix vraiment, vraiment très bas. Évidemment, ce prix bas est dû à un état qui est un peu dérangeant pour pas mal de collectionneurs, mais j'ai dû l'accepter. Sinon, c'est un jeu qui, aujourd'hui, je pense, est trouvable en 2023 à 40-50€ complet en FAH. Alors pour 22,45€, on voit que la boîte d'apparence a l'air presque mint. Hein. On voit une petite pliure en bas à droite, mais franchement c'est correct, les tranches sont pas abîmées. On va mettre un petit focus. Globalement ça va. Petit focus encore. Et là on voit que le bas blesse, hein. C'est la concession, la grosse concession que j'ai dû faire sur ce jeu acheté sur Vinted, bah, c'est tout simplement... cette grosse déchirure là, il y a carrément toute l'illustration qui est manquante. C'est dommage hein, parce que le jeu est en état nickel, il n'y a que cette grosse déchirure qui a fait pas mal baisser le prix de cette annonce. Le vendeur n'arrivait pas à vendre le jeu et j'ai même encore pu négocier par dessus. Je pense qu'il était à 30€ et finalement au fur et à mesure des jours le vendeur a baissé le prix et puis je l'avais mis en favori et puis un jour je lui ai fait une proposition qu'il a accepté. Je pense qu'il en avait marre et qu'il a envie de vendre ce petit jeu. On le trouve souvent en loose, mais je pense qu'aujourd'hui on peut le trouver à 40-50€, donc ne serait-ce que d'avoir fait une concession sur cette déchirure là, bah, a fait quasiment diviser le prix par deux, et puis sinon bah, le jeu est vraiment en état nickel. Donc je me dis que payer 22€ pour un jeu en état nickel, à part cette grosse déchirure à l'arrière, bah, j'ai payé deux fois moins cher le jeu que s'il n'avait pas cette déchirure. Alors c'est dommage, certes, c'est pas très joli, mais concrètement,
la déchirure, vous la voyez que quand vous sortez la boîte de votre étagère. Rien à lui reprocher, c'est juste ça qui fait diviser le prix par deux. Next. On a gardé peut-être le meilleur pour la fin, ça dépend des goûts et des couleurs. En tout cas, le troisième jeu de cette sélection, c'est le Super Probotector que j'ai acquis plus tôt récemment. Un jeu que j'avais dans ma wishlist depuis pas mal de temps, depuis que j'ai fait Probotector le premier sur NES. J'avais envie de découvrir les autres opus de la saga, cette fameuse saga de Konami, donc j'ai longtemps recherché Super Probotector et j'ai enfin pu l'acquérir. Malheureusement, il y a pas mal de défauts et j'ai dû pas mal revoir mes objectifs à la baisse. En tout cas, on regarde ça en close-up. Troisième jeu de cette vidéo et sûrement le plus fameux, le plus connu, Super Probotector Alien Rebels, un jeu que j'ai acheté très récemment sur Rakuten. Alors, sur Rakuten, ce qui est pas mal, c'est quand vous commandez régulièrement, vous avez une cagnotte qui se crée avec vos achats. Donc j'avais, je crois que j'avais 10 euros de cagnotte. Souvent, en plus de ça, Rakuten fait régulièrement des journées où, à partir d'un certain montant, vous avez 5 ou 10 euros de réduction. Donc là, ça s'est ajouté. J'ai eu 10 euros de réduction en plus. Donc le jeu a dû me revenir à peu près à 80 euros frais de port inclus. Alors, Super Probotector, c'est un jeu qui cote beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'une version FH, j'ai regardé un petit peu sur eBay, sur Vinted, il n'y a pas beaucoup de versions FH complètes de ce jeu. Et puis les prix, c'est un peu n'importe quoi. On voit des jeux à plus de 500 euros. Je pense que en cherchant bien, on peut avoir un Super Probotector FH complet boîte notice à partir de 150 euros minimum, voire 180. Et puis après, ça monte selon l'état de la boîte. Moi, je l'ai eu à 80 frais de port inclus, avec toutes les réductions Rakuten, mais c'est vrai que là-dessus, j'ai fait beaucoup, beaucoup de concessions. Donc déjà, il n'y a pas la notice dans ce titre. Donc, ça devrait pouvoir se trouver, et puis je ne suis pas pressé. Et c'est vrai que la notice, c'est peut-être l'élément le moins important. Évidemment, le plus important, c'est la cartouche. Après, c'est la boîte. Et la notice vient compléter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme défaut? Eh bien, tout simplement, c'est que la boîte est bien, bien abîmée. Mais ça, je le savais quand j'ai acheté le jeu. Là, c'est complètement déchiré. Évidemment, il va manquer la petite languette, là. On a celle-ci, mais celle-là est manquante. Donc déjà, là, c'est un gros dégât sur la boîte. Là, pareil. C'est vraiment une boîte qui a vécu et qui a été utilisée et un petit peu martyrisée, malheureusement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on était jeune, on ne faisait pas forcément aussi attention à nos jeux que maintenant. Donc là, c'est vraiment le jeu, je pense, sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup hésité. Et puis après, je me suis dit, allez, 80 euros au lieu de 150. Bon, certes, il manque la notice, mais tu pourras la trouver plus tard. Ce qui est bien, c'est que sur Rakuten, quand vous êtes membre un petit peu platine ou je sais pas premium, vous avez une cagnotte qui se crée avec vos achats. Donc là, ne serait-ce que d'avoir acheté ce jeu, j'ai eu 7 à 8 euros. Deux cagnottes pour mon prochain achat, c'est plutôt sympa. En cumulant la réduction liée au jour où vous achetez le jeu, plus la cagnotte que vous aviez, plus la cagnotte que vous aurez grâce à l'achat, bah franchement, le jeu, il revient pas cher. Et puis, bah, c'est surtout ça là qui fait mal. Mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Est-ce qu'on veut payer un jeu deux fois plus cher pour une notice, plus une boîte en meilleur état? C'est à vous de me dire en commentaire. En tout cas, j'ai dû faire pas mal de concessions, mais en tout cas, j'ai un Super Probotector d'origine sur Super Nintendo en version FH. Ça fait plaisir, mais il a fallu revoir un petit peu les standards à la baisse. Dites-moi en commentaire si vous auriez fait aussi ces concessions pour le prix ou si vous auriez mis la main à la pâte, mis la main au portefeuille davantage pour se procurer ces titres-là. Dites-moi tout en commentaire, j'espère que la vidéo vous a plu et on en fera d'autres sur ce thème. Si c'est le cas, bye les amis!